Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous parler du nombre de mitzvot que l'on fait le soir du Seder. En effet, d'une façon générale, les mitzvot se font le jour, que ce soit le loulav, le shofar, les téfilines, les tzitzit. Tout ça, ce sont des mitzvot qui se font le jour et pas la nuit. Mais quand on arrive le soir du Seder, on dit « Manishtana laïla hazé, mais kol halelot, pourquoi cette nuit est-elle différente, si différente de toutes les autres nuits ?» Elle est d'une dimension un peu de jour, parce qu'elle est chargée en mitzvot. Alors, les mitzvot qui sont bien connues, obligation de la Torah, c'est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte ce soir-là. Mais c'est aussi la mitzvah de manger la matzah. Ce sont les deux mitzvot de la Torah les plus connues. Les mitzvot des rabbanan, d'obligation rabbinique, ben c'est le fait de boire quatre coupes de vin dans l'ordre. Le premier, c'est le kiddush, le deuxième, c'est sur l'agada, le troisième, sur le birkat amazon, et le dernier verre, c'est sur le halel. Aussi, il y a la mitzvot de manger le maror, qui aujourd'hui est d'obligation rabbinique, parce qu'il n'y a pas de korban, il n'y a pas de sacrifice, il n'accompagne pas le sacrifice. Mais d'après le Gaon de Vilna, on peut retrouver 64 mitzvot dans cette soirée. Alors, des mitzvot de la Torah, on peut retrouver comme par exemple le fait de faire le kiddush. Oui, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une soirée où on parle de Torah, donc on étudie la Torah. L'étude est une mitzvah de la Torah. Se souvenir à la sortie d'Égypte est une mitzvah de la Torah. Remercier Dieu, c'est une mitzvah de la Torah. Faire le birkat amazon, les actions de grâce après le repas, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Ainsi, on voit ce foisonnement de mitzvot de la Torah, mais aussi des mitzvot d'obligation rabbinique. Alors, en introduction, je veux dire en amont, au Seder, à la soirée pascale, l'allumage des lumières, en l'honneur de Shabbat ou de Yom Tov, est une obligation rabbinique. Le fait de boire quatre coupes de vin est d'obligation rabbinique. Faire la Nitziat Tzedaïm, se laver les mains, que ce soit sans la bracha pour le karpas, pour au tout début du Seder, ou avant de faire le motzi, ça veut dire aussi une obligation rabbinique. Faire Maïm Acharonim, se laver les mains avant le Birkat Amazon, est aussi une obligation rabbinique. Puis on retrouve un grand nombre de mitzvot qui sont liés à la parole. Ce sont les bénédictions. Surtout les bénédictions, que ce soit le kiddush, shérien, ou la bénédiction sur la adama, sur le karpas. C'est donc ce foisonnement de mitzvot qui nous accompagne la soirée du Seder, qui donne à cette soirée un caractère hors du commun, un caractère particulier. C'est pour ça. Manishtana, halayla hazé. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Par tout son caractère positif de toutes ces mitzvot actives. Excellente journée.